retrouver comme chaque samedi à 20h votre émission Les Remontées Mécaniques des Portes du Soleil. Bonsoir à tous, il est 20h sur Remontées Mécaniques TV, très belle émission à vous. Et bien sûr, vous le savez, nous sommes le 14 juillet. Et le 14 juillet, c'est la fête nationale en France. Donc pour cette occasion, nous avons vu avec la chaîne Remontées Mécaniques TV ainsi que toute l'équipe des remontées mécaniques des Portes du Soleil, nous allons vous présenter une émission vraiment spéciale et extraordinaire. Et rapidement, votre programme, en tout premier, nous allons commencer par une petite surprise, vous en doutez bien, et après nous continuerons par quelque chose qui se passe en ce moment même, c'est du 13 au 15 juillet, c'est les championnats de France de VTT qui se déroulent au Jet. Mais avant, voici votre petite et même très belle surprise pour l'émission spéciale fête nationale, et nous sommes bien sûr le 14 juillet 2012. C'est parti! Voilà, c'était la petite surprise du soir, l'hymne national, pour rappeler cette fête du 14 juillet. Et tout de suite, maintenant, on part, comme promis, je vous l'avais dit, on part bien sûr sur ceci. Championnat de France de VTT. Vivez gratuitement les championnats de France de VTT au G le week-end du 14 juillet avant les JO de Londres. Trial le vendredi, cross-country le samedi avec Julien Absalon, descente le dimanche. Accès aux compétitions et montée en télésiège gratuit pour les piétons, nombreuses animations et ambiance garantie pour toute la famille. En live sur Twitter, @léger2012 et léger.com. Voilà, c'est ça votre surprise du jour, bien sûr, comme on vous l'avait dit. Et donc, nous avons plein de choses à vous faire découvrir, plein de belles choses. Que du bonheur. Et nous avons différentes rubriques. Nous avons la rubrique cross country. Nous avons eu le temps de prendre beaucoup de photos. Nous avons aussi quelques photos des remises des prix. Et nous avons aussi les photos du trial. Par contre, nous avons aucune photo de la descente. La descente se passe principalement demain dimanche. Mais vous inquiétez pas, on vous rappelle le programme tout à l'heure en live pour que vous soyez directement au courant de ce qui se passe. Pour ceux qui habitent non loin de la station des Jets, que vous puissiez venir profiter de cet événement rare et unique, qui est quand même un événement magnifique avec les champions de toute la France. Et comme vous l'avez entendu, il y a la présence de Julien Absalon, il y a aussi la présence de Fabien Barrel, de Pauline Ferrand-Prévot, vous inquiétez pas, vous y voyez tout à l'heure. On attaque tout d'abord par le cross-country. Nous avons des belles photos du cross-country. Et nous allons tout de suite commencer par des photos qui sont exactement donc de l'entraînement. Donc lorsque les coureurs se sont rendus pour la première fois sur les lieux, ils ont commencé par des magnifiques entraînements. Donc où ils essayaient de se rapprocher au maximum de la perfection, et donc vous en voyez, ils sont sur le parcours. Ici, vous voyez la ligne de départ du relais des coureurs coureurs régionaux et des équipes régionaux. Donc ils sont en départ, donc c'était un relais où il y avait 4 personnes, donc les voici en pleine action. Et c'est parti, attention, ça se bat déjà dès le début. C'est assez impressionnant.
Nous voyons également un autre passage aussi sur le relais des... Sur le relais des comités régionaux, l'ouvreur qui se trouve en moto, qui passe pour ouvrir le chemin. Et nous voyons enfin les coureurs arriver. Et voilà, maintenant nous retournons aujourd'hui, donc ce samedi, ce matin en live, à exactement l'heure, je vais vous la dire, à 9h30, c'était les Espoirs Hommes, donc les jeunes hommes, qui se sont affrontés sur le parcours de cross-country, où là, cette fois, ils avaient 3 tours à effectuer. Vous pouvez voir de très belles photos et des passages très techniques, même des moments où ils étaient obligés de marcher, et même quelque chose d'assez impressionnant. Oups, une petite erreur, je vous laisse tourner la tête. Ah, encore une. Dis donc. Là, on les voit sur un passage monté sur la route. Et c'est encore l'ouvreur. Et voici l'ouvreur en moto, un autre ouvreur. Les coureurs passent à pied. Et là, on revient sur les mêmes photos. Voilà, donc pour tout ce qui est du cross-country, maintenant nous allons partir pour ce qui est trial, avant de terminer par quelque chose que tout le monde attend. Oui, oui, je le sais, vous inquiétez pas, le trial qui est des choses très très impressionnantes, mais avant, nous allons partir sur le trial, mais et non pas sur les remises des prix, vu que les remises des prix se font quand même après avoir, comme on dit, après l'effort, le réconfort. Donc nous passons tout de suite à la rubrique trial, mes amis, c'est parti. Et c'est parti, de très belles photos, des coureurs impressionnants, des parcours très magnifiquement taillés. Et donc là, vous voyez un coureur sur le parcours appelé la zone des rondins, la zone du chalet. Et la zone est baptisée officiellement la zone des jets. Vous voyez les coureurs sur la roue arrière en train de franchir les obstacles. Et oui, ils prennent de la hauteur, ils montent sur le toit même. Ils sont sur la zone des poutres, que l'on appelle une zone très technique. Une magnifique photo que j'apprécie, où le coureur est en plein saut. Il saute, il est sur la zone France 3, ici, France Télévisions, la 3. Et nous retournons encore une fois sur la zone des rondins, la zone des jets. Ils sont toujours sur le toit. Une magnifique photo en plein saut du toit, spécialement pour vous. Sortie de la zone la demi-tome, comme ils l'appellent, c'est la zone de spécialement réservée pour la Fédération Française de Cyclisme. Pareil, nous retournons encore une fois sur la zone des rondins. La zone des bûches, la zone des rondins, la zone des rondins, la zone des rondins. Et nous avons fait le tour de tout ça. Voilà, des photos très très impressionnantes de tout ce qui est trial. Et maintenant, une partie que tout le monde attend. C'est bien sûr voir qui sont les champions. Il y a bien sûr des courses. Mais à la fin de ces courses, il y a des champions. Il me semblerait non. Et oui, 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 je peux même vous le dire, il y a des champions qui finissent par être champions. Et donc du coup, on va voir bien sûr... Une partie que tout le monde attend, attention, c'est la remise des prix. Donc pour la remise des prix, nous avons quelques podiums, et les principaux podiums et protocoles se feront le dernier soir, donc c'est-à-dire demain soir. Donc pour ceux qui ont la chance de venir, le protocole de demain soir est exactement... Ah, il y en a toute la journée, excusez-moi. Donc il y en a, attendez que je vous dise pas de bêtises... Pour des protocoles, il y en a à 13h45 pour le cross-country, à 16h40 pour le protocole de la descente avec 7 podiums. Il y en a aussi à 14h30 pour ce qui est trial, et puis voilà pour tout ce qu'il y a demain. En attendant, on va bien sûr voir les remises des prix, où nous avons pris des photos de tout ce qui est relais des comités, et nous avons aussi pris les personnes qui soutiennent la station, donc ce sont les ambassadeurs de la station. Donc voilà, on commence tout d'abord par l'équipe de Franche-Comté qui termine 3e hier au relais des comités régionaux. Ah non, excusez-moi, elle termine seconde, excusez-moi pour une erreur.
Nous avons ici l'équipe de Normandie qui, pour la première fois, gagne le relais des comités. Donc voilà, l'équipe de Normandie, et nous avons l'équipe de Normandie ayant reçu leur magnifique médaille, récompensée par la médaille d'or et le maillot tricolore. Et nous avons l'équipe Rhône-Alpes qui a terminé troisième. Et voilà, le podium magnifique podium. Le podium. Et aujourd'hui s'est déroulé, donc comme je vous le disais, les dames et les dames espoirs. Et la gagnante du jour est une ambassadrice de la station des jets, c'est Pauline Ferrand-Prévot. Allez, pour fêter tout cela, ça mérite quand même bien un petit quelque chose. Attention, c'est pour vous. Merci bien Pauline pour ce que tu nous as montré aujourd'hui en cette compétition. Et donc mesdames et messieurs, notre émission touche à sa fin. J'espère que cette émission vous a plu. Bon, c'était une émission particulière avec des montages tout particuliers. Donc c'était un petit peu technique pour toute l'organisation, mais ça s'est plutôt pas trop mal passé. Allez, une petite dernière spécialement pour vous. En vous souhaitant une très bonne fête nationale à tous. Une très bonne soirée aussi. J'espère que cette émission vous a plu. Tout cela a été présenté par l'équipe de remontée mécanique des Portes du Soleil avec l'autorisation, l'accord de Remontée Mécanique TV. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. Mais avant de vous quitter, on vous annonce juste le sujet de la semaine prochaine. Et donc la semaine prochaine, on reste dans les Portes du Soleil. Par contre, on part du côté de Châtel et on va pour un reportage sur le télésiège débrayable 6 places Rossachon. Donc ça sera à 20h sur Remontée Mécanique TV. Je vous souhaite à tous une très belle soirée en espérant que cette émission encore une fois vous a plu et à rendez-vous samedi prochain sur Remontée Mécanique TV. Retrouvez comme chaque samedi à 20h votre émission Les Remontées Mécaniques des Portes du Soleil. Ciao, bye bye, merci à tous.